Donc nous poursuivons les interviews avec PMV, qui est l'agence de communication de la Fédération. Elle propose la réalisation de vidéos, affiches, animations, sites internet, photos, tracts ou applications ou même des films d'animation avec des professionnels. Pour en parler, nous sommes avec Christophe Hertz, bonjour, DSC de Renault Truck Retail France et Régis Delu d'Airbus Marignane. Donc première question pour Christophe, pourquoi avoir fait appel à PMV pour t'accompagner dans ta communication syndicale ? Alors pourquoi avoir fait appel à PMV ? Tout d'abord, nous sommes une jeune section syndicale qui a 5 ans d'existence aujourd'hui. Lorsqu'on a rencontré PMV, c'est grâce à la Fédération de la métallurgie. Hein. Nous, on a nos bureaux syndicats de la région parisienne, 9 rue Baudouin. Voilà, donc nous sommes à proximité de la Fédération. Et j'ai posé des questions concernant des problèmes que l'on avait, nous, au niveau de la communication. On avait des tracts qui n'étaient absolument pas lisibles, ils étaient sur 2 pages, il y avait un problème de concision et il y avait très peu de lecture de la part des salariés de l'entreprise à qui on envoie par mail nos tracts. Donc on a fait appel à PMV, on remercie Benoît et toi qui es venu aussi sur place pour nous former, pour apprendre à faire des titres accrocheurs, parce qu'on avait des titres qui n'étaient pas accrocheurs et pour donner envie de lire, il fallait absolument que ça soit un titre qui donne envie de lire la suite. Et puis, on a appris à être concis. Voilà, c'est important d'être concis. Moi, j'avais tendance à beaucoup trop développer. Et voilà, donc, c'était au niveau de la lisibilité, c'était beaucoup mieux. Donc, concision, je le disais. On a travaillé sur une charte graphique. Donc, dès que les salariés reçoivent, ils voient tout de suite que c'est faux. Donc, ça a été travaillé avec l'équipe PMV. Donc voilà, c'était surtout la lisibilité, la concision, une charte graphique, voilà, les 3 maîtres mots du travail que l'on a fait ensemble. Voilà. Merci Christophe. Donc Régis, toi pour ta collaboration avec PMV, comment ça se passe quand ils font des différentes productions pour ton équipe syndicale, pour savoir communication ? Alors comment ça se passe ? On peut parler de processus. De toute façon, ils ont réellement réussi à s'adapter. Clairement, quand il a fallu être présent dans nos équipes de Marignane, ils ont su venir sur place pour pouvoir venir capter réellement notre besoin en termes de communication, venir capter aussi nos valeurs, parce que c'est essentiel, c'est ça que l'on communique justement à travers tout ce que l'on peut justement communiquer tout simplement. Ils ont su aussi s'adapter sur le fait qu'on avait besoin de rapidité. Et donc, on a beaucoup travaillé à travers les réseaux sociaux. On a beaucoup travaillé par mail, par Meet, etc. Dans le comment aussi, ce qui est plus qu'important, c'est de savoir comment vous convaincre de travailler avec PMV, de revoir vos communications. Il est essentiel réellement de changer notre communication, je dirais, journalière et traditionnelle quand on a des événements spécifiques. Donc il est vrai que PMV nous ont beaucoup, beaucoup apporté sur notre identité visuelle et clairement, on les en remercie. On a fait 40% aux dernières élections, on ne va pas dire que c'est grâce à eux, mais ils y ont largement contribué, donc n'hésitez pas, faites le pas. Merci. Donc PMV est à la disposition de toutes les équipes FO de la métallurgie pour les accompagner dans la création de supports de communication, quels qu'ils soient. Notamment pour les campagnes électorales, comme on l'a vu avec Régis. Pour tout renseignement, n'hésitez pas à contacter la Fédé. Merci à tous les deux. Merci.